Est-ce que vous avez déjà eu besoin de quelque chose? Ça tombe bien, j'ai une entreprise de service. Maxfly Service. Je vous ai demandé récemment sur Instagram si vous avez besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit. Un déménagement, un chien à promener, pas de problème. Maxfly Service est à votre service. Je suis allé toute la journée à votre rencontre avec Maxfly. On a essayé de vous aider un maximum. On a rencontré plein de gens sympas. Du café qui était vachement, mais alors vachement dégueulasse. La vidéo tout de suite, c'est parti. Bon visionnage à tous, à plus tard. Maxfly! Hey Maxime! Et Carlito! C'est moi! Alors ouais. On est parti, je démarre la caisse. Alors là, Maxfly, on a été débordé par les demandes. Il y a beaucoup de monde qui a besoin de nos services parce que je pense qu'ils ont capté direct que là, il y avait moyen. Alors les gens savent pas que c'est toi, mais j'ai dit à un ami, machin, je pense qu'ils ont tout de suite ouais, compris. Je pense qu'ils vont être déçus. Bon, Maxfly, je vais quand même te dire, dans notre journée, on a à peu près 4-5 services à rendre. On va essayer de faire le max. On a juste un petit problème, c'est que il faut qu'à 17h30, on soit dans 77. Ah, c'est assez loin, mais il y a quelqu'un qui est vraiment en galère pour le coup. Mais à chaque fois, tu verras, c'est des gens qui sont vraiment en galère. Ça me plaît. Putain, par contre, faudrait vraiment que j'ai le permis parce que là, si je me fais choper... Ah ouais, ouais. C'est pas un peu... Putain, je sais plus comment. Mais non, mais tu gères bien, moi je trouve que tu gères super. Excuse-moi. Laisse personne te dire que tu gères. Je suis vraiment désolé. Hein. Dis donc, ouais. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'on va faire. Là, on a un monsieur. Ouais. Non, c'est deux dames, pardon. Je te dirai leur nom après quand je m'en souviendrai. Ouais, okay. Elles ont un énorme problème à Clay et je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons régler ça parce qu'on a toutes les compétences. Je te le dis direct. Elles ont emménagé dans un appartement qui a un espèce de tableau moche. Horrible. Apparemment, ils me décrivent ça comme un tableau très cliché parisien. Je me demande si c'est pas un tableau genre New York, mais un peu. Ah, le fameux truc un peu d'IKEA là, le truc. Ouais, en mode photo et tout. Alors, le problème de ça, c'est que ce tableau là, ils l'ont fixé au mur. Ils peuvent pas l'enlever quoi. Tu loues l'appart et tu le loues avec le tableau. C'est comme ça. Oh la vache. Bizarre. Comment tu fixes? Ah, il est peint sur le mur, il est cuit dans le mur. Je pense qu'il est cuit dans le mur. Je pense vraiment qu'ils l'ont. Ok, totalement possible de l'enlever donc dans ce cas là. Il suffit de. Mais vas-y, continue ton truc. Peut-être qu'ils ont peur de l'enlever pour le proprio, machin. Bon, enfin bref, ils sont tellement désespérés de ce tableau de merde. Ouais. Ils doivent vraiment être très moches. Oui. Parce qu'ils ont dit, on n'en peut plus. On a acheté une toile blanche qu'on a, recouvert le tableau d'une toile blanche. Oh, c'est drôle. Et donc, ils comptent sur nous pour décorer cette toile blanche. Oh là 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 là. Tu vois, parce que... Quel mauvais choix. Quel mauvais choix de nous demander ça. Excuse-moi, mais si on n'a pas le droit de se garer sur une place livraison, en tout cas, personne peut s'en douter. Parce qu'on a la dégaine parfaite. Non, mais là, c'est impossible. Je vois pas qui nous dirait non, vous livrez pas, vous. Faut on livre pas. Regardez bien. On ouvre Open Your Eyes. Bah, en fait, je me suis dit, ces deux femmes, ouais. Pourquoi ne pas leur faire un portrait? Leur portrait. On les dessine, on les sublime. C'est une super idée. C'est génial, non? C'est super. On va leur demander, peut-être qu'elles aiment pas. Mais je crois que c'est une bonne idée. Un service de solution. Je vais essayer de pas péter chez les gens parce que. Oh, mais mec, je t'en supplie, pète chez les gens, tu rigoles. Non, mais c'est un truc. Mais oui. Je peux faire ça. Tu prends une photo? Bien sûr, avec plaisir. Oh, merci, mec. Petite photo là. Tous les deux. Petite photo à deux. Juste à deux. Merci. Bonne journée. J'ai fait tomber les croquettes. C'est l'OP qui arrive là tout de suite. Ultra pré... Putain, je peux pas le relever. Je peux pas le relever. La famille Ultra Premium Direct nous accompagne pour cette vidéo, merci à eux. Ultra Premium Direct, c'est une marque engagée pour la cause animale, plus de 500 000 repas offerts à des refuges en 2023. Ils nous accompagnent dans cette vidéo. J'ai fait tomber le sac de croquettes. Quand j'ai voulu l'ouvrir, il y en a partout. Quelle merveilleuse façon de les exposer à tout le monde. C'est important d'avoir une alimentation de qualité pour nos animaux de compagnie, nos chers petits animaux qu'on affectionne. Ces repas sont fabriqués en France. Les croquettes, les pâtés sont fabriqués en France pour avoir la meilleure qualité pour nos chers petits animaux. Et bien entendu, il y a un maximum d'ingrédients tout à fait naturels. Les prix sont attractifs, pourquoi? Parce que c'est des prix direct usine. Pas de compromis entre la qualité et le prix. On veut le meilleur pour nos toutous. Ultra Premium Direct vient de sortir de nouvelles recettes sans céréales, au poulet frais, au saumon frais. Et ça, ça régale. Il y a des super ingrédients, il y a plein de fruits, il y a plein de légumes pour permettre aux animaux de se régaler. Le packaging en plus est recyclable. Avec le code Maxime, vous avez jusqu'à moins 25% pendant 48 heures pour les nouveaux clients. Moins 20% jusqu'au 8 mai. Vous avez toutes les infos dans la description. C'est grâce à eux que Maxfly Service a pu voir le jour et faire de très grandes choses dans cette vidéo. Hello! Salut frérot, ça va? Bonjour, Luna.
Anna. Anna. Donc ça fait 3 ans que tu habites là, ouais. Tu mi-squattes, tu mi-colloques. Oui. Et il y a un tableau infernal, c'est ça? Horrible. Disons que chacun ses goûts. Après, vraiment, chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Si tu es posé ici, c'est pour une raison. Tu le trouves immonde. Tu le trouves immonde. Waouh, la vie n'est pas. N'est pas bon, d'accord. Alors, okay. On avait une question, est-ce qu'il est cuit dans le mur? Il est collé. Ah, il est collé. Tu vois, il est cuit dans le mur. C'était donc ça, mec. Parce qu'en fait, on se disait, si c'est juste des vis, on peut le dévisser. C'est quoi tes attentes, en gros, ton niveau d'attente par rapport au résultat? Parce que pour le coup, j'ai fait du dessin. Ah oui. Et je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire un truc joli, vraiment pour le vrai, joli, très joli. Quoi. Bah. Pour de vrai, autant prendre le temps et faire un vrai, beau, joli dessin que vous allez kiffer garder chez vous après. En hommage à nos vidéos avec Arlito, je vais juger l'appart et l'odeur. Alors, je juge tout, hein, je vous rappelle, je juge. L'odeur, on sent que vous dormez dans cette pièce, c'est tout, mais il n'y a pas de souci. Non, agréable, franchement. Mais pas désagréable. Oh, non. Mec, il est cuit dans le mur. Et en plus, tu sais que si on le tire, ça arrache le papier peint. Ah, c'est clairement. Impossible, mec. Il s'est dit, lui là, il est tellement beau et intemporel. Personne n'y touchera. Ça, à travers les âges, il va. Oh, il va prendre. En 2075, dans cet appart. Parce qu'à un moment, on va se dire, mais quelle était la ville dans laquelle c'était? Paris, ouais, c'est ça. C'est résumé parfaitement, quoi. Je pensais partir sur des autoportraits, mais un petit peu bleutés. Je sais pas si ça vous va niveau couleur ou si vous voulez partir sur autre chose. Mais autoportraits d'autres gens que toi. Donc c'est des autoportraits. Autoportraits de vous. De vous. Ouais. Mais fait par toi. Ouais. Parfait, mec. Alors ça, j'aurais jamais cru ça. Moi, j'en je voulais. Je vous garantis pas la qualité. Hein. Ça part mon remix. Je veux te faire remixer par Khaled Freaks ou YouTunes. Mais on a YouTunes. S'il te plaît, YouTunes. Mec, j'ai en fait là j'ai une idée qui est complètement dingue. En fait, on regarde. Toi tu es là, moi je suis ici. Si moi je dessine une personne dans ce sens et toi une autre dans ce sens là, ça fait un tableau en mode un portrait là, un peu disruptif parce qu'on est un peu en whippy, on tourne un petit peu les choses, on est frais, on est moderne. On perd les perspectives, on perd le regard de l'auditeur. On sait plus regarder parce qu'il y en a une, elle est là, ah, une autre, elle est là. Et ça se fait dans tous les sens en plus. On tourne. C'est trop bien, c'est parfait. Si un jour t'en as marre, tu tournes. Ouais. Et d'un coup, tu vas. Ah, nouvelle okay, personne. On fait un tableau tournant. Très bien. Il y a le geste. Hein. Le geste est précis, le geste est juste. Ah ouais. Oh putain. Je te fais un croquis là, hein. Ok, ouais, on a un croquis. Hein. Évidemment, faut imaginer un peu, hein. C'est sûr que ça vient pas tout de suite comme ça. Ça vient pas tout de suite comme ça. Oh. Et là, tu vois, tu mets une petite fleur ici. Oh. Et là, tu mets une petite fleur ici. Et là, tu mets une petite fleur ici. Attends, mais c'est la réalité. Elle est où la réalité? Le collier. Le collier. Je sais même plus la réalité où elle est, tellement c'est compliqué pour moi. Si, si, non, mais là, j'ai posé les bases. Ouais. J'ai posé les bases. Ok. Ah, il est trop bon! Il est trop bon le café! Le café est fou là! Oh, oh, oh. Attends, tout ça pour moi, mais faut laisser pour les autres! Ah, je sais servir, tu peux en mettre des sucres! Ah, ouais. J'aime pas le sucre, c'est top! J'ai un petit peu de sucre! C'est top, top parce que j'aime pas le sucre! Ça va être bon! Ça va être bon! Délicieux café! Bon gâteau! Délicieux! Hop! Il va déborder! Ah, bonjour, ton ami! Mmh. Ah, il est génial! Franchement, merci les filles! Désolé de. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? T'as des lentes? Là, vous la voyez apparaître? Est-ce que vous la voyez apparaître? Je vois. Moi, je me vois disparaître. Ouais, moi aussi, là, je vois. Excusez-moi, c'est dur, j'ai du mal à contenir les. T'es possédé un petit peu. Je suis là. Ah ouais, je capte. Mec, en vrai, mec. Dans l'idée. Et imagine après ça, c'est quoi votre couleur préf? Vert et violet, regarde, là on fait fond vert, là c'est fond vert par là, là ici là, on fait violet. Une transition, et là fond violet. Oui parce que là je peux pas faire fond vert parce qu'il y a déjà le pull vert. Ouais. Tu sais à quelle heure on doit être au prochain rendez-vous, McFly? Pas la moindre idée? Non. Bon bah je vais te le dire dans 30 minutes, sachant qu'il y a plus de 30 minutes de route. L'orga est au top. Ouais. Non, on se fout pas ta gueule. Non, mais moi je veux qu'on profite de chaque instant. Ah non mais de toute façon là, vu comme je suis parti comme c'est parti, j'aurai pas le temps de faire 36 000 trucs, je vais rester sur le tableau. C'est autre chose que votre tableau de Paris, ça. On va parler complètement mégalo. Oui. Pardon, mais il y a un tableau de nous dans cette. Ah parce que tu pars du principe qu'on va te reconnaître. C'est vrai, on va dire que c'est n'importe qui. Hein. J'ai jamais été aussi loin de ta couleur des cheveux, d'accord. C'est le truc le plus éloigné de ta couleur de cheveux qui existe sur la planète. Il faut que tu rajoutes une pointe de rouge pour que ça nuance, non? Ok, du orange. Bon, pourquoi pas? Vous voyez pas ça comme ça? Ouais, mais tu vois, c'est là où justement il faut que tu ouvres un peu ton cœur. Ah oui, non, mais je suis. Oh, mais attends, tu déconnes, regarde. Eh hey, il se passe un petit peu. Hey. Regarde là. Il y a moins, je vomisse. Éclair, s'il te plaît, sincère, t'en penses quoi du tableau là?
Franchement? Non, en vrai, y a pas un délire là? Ça marche. Y a un petit truc. Non, non, ok. On dirait un peu une courge. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Un butternut. Putain, t'as une tête de butternut ou c'est moi qui ai raté? Tu vois? Mais mec, attends, on fait une dinguerie en fait là. Juste, on est en train de faire une dinguerie. Gars, je sais pas si c'est dinguerie. Oui, si, en vrai. En fait, juste moi, j'aurais dû faire les cheveux après parce qu'ils passent sur la tenue et pas l'inverse. Mais pareil également. Mais par contre, un truc qu'on pourrait faire aussi. Et c'est pas parce que j'ai la flemme. Écoute bien. Non, je te crois. On le laisse comme ça le tableau. Non, c'est pas ça. Mais on fait pas les traits du visage. Tu fais un truc un peu poétique. T'as peur de gâcher les traits du visage? En fait, là, t'as un truc qui est un peu artistique et dès que tu vas mettre les traits, on va partir dans la. Je suis un peu d'accord, sauf si. Si on fait juste le maquillage, vous avez un maquillage très coloré, si on fait les traits de maquillage, ça c'est stylé. Est-ce que je peux utiliser le lavabo? Non. Tac. Alright. Alright. Et je vais tenter un truc, je pense que vous êtes même pas prêts. Je vais tenter un truc, c'est une ombre. Je vais tenter l'ombre du cou. C'est marrant quand même, comme les gens changent dès qu'ils voient la performance. Excuse-moi, c'est pas une dinguerie ce que je viens de faire là, en termes d'ombre? C'est beau. Ça définit le visage? Ça définit le visage, le trait du visage. C'est pas fini, c'est pas terminé en plus. Mec, je peux te prendre de la peau? Mec, prends-moi de la peau. Mec! Tiens. J'avais carrément zappé un morceau. Putain, j'avais parfaitement réussi. Et bah là, j'ai tout gâché. T'emballes pas non plus, mais ouais. Je vais prendre, de la peau. D'autres. Putain, tu sais quoi, je vais utiliser le vert. Là, tu comptes mettre du vert? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je me suis dit, vu que j'ai. C'était pas le vert qu'on voulait mettre là, c'était violet, hein. Ouais, mais on va mettre un petit mélange de violet et de vert en fait. On va mélanger les couleurs, mais si c'est ça. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est mélanger les gens. On va pas faire d'un côté violet, d'un côté vert. C'est comme si tu disais. Tu vois? Voilà. On s'est pas du tout parlé sur le choix du vert, quoi. Genre, t'as décidé que c'était ça la En fait, il me restait du vert du pull en fait. Ouais, ok. C'est pas si mal. Non, je peux pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien, c'est bien. En vrai, c'est pas mal. Maintenant, y a plus de divertissement. Là, je suis en train de plier un classique aux potes. Là, j'ai de foutre les points noirs, ça va être incroyable. Y'a votre prof qui m'appelle. Ah. On va se faire monter là. Appelle, tu dis que on est occupé parce que McFly il est constipé. Il arrive. Il fait caca, dit. Il dit, il fait caca. Oh, wow. Tu rigoles ouais. Beaucoup trop. Mais j'adore, ça me fait rire ça. Il est en bas, tu vois. Allez, on va se faire engueuler. On va se faire taper. Ouais, on va se faire taper là. Attends, je vais faire déjà les. Partout. Je suis en train d'enculer le tableau. Et ouais, non, mais les lèvres, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais mec, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Mec, il faut qu'on enlève. Comment j'efface? Oh, mais ça va pas! Mais faut mettre une autre couleur. Qu'est-ce que t'as fait? Faut que je remette du pot. Faut que je mette du pot pour qu'elle arrive. En fait, si je fais la meilleure partout, peut-être que ça. Ah là, tu lui as fait du mal. T'as réussi à simplement gâcher tout ce que t'avais fait. La désertion. Là, je suis en impro total, j'ai essayé de sauver avant qu'elle revienne en fait. Oh, j'en ai mis sur le côté. Non, Max, c'est de la merde là. Les clients, il faut toujours prendre l'air confiant. Parfait. Une, parfait. Stop. Tiens. Ouais. Ok. C'est énorme. Je suis content. Oh là. Salut. Bienvenue à l'atelier. Hello. Tout est nickel. On a bientôt fini. Personne n'a raté. Ouais, ça se passe super. Oh là, c'est hein. On a raté rien du tout. Rien du tout. Rien n'est raté là. Oh, t'es là toi. Tu dates grosse tête. Ok. Waouh, ça va, ouais, ça rend bien. Ok, je vous montre l'autre sens. Oh là, va, j'étais sûr de ce que tu fais là. Non, mec. J'ai mis le doigt. Oh, on met des traces de doigts, c'est horrible, regarde. On gâche tout, regarde. Oh, oublie ça. C'est cool, hein. C'est bien, hein. Ah, c'est bien, ouais. Vous avez l'air de kiffer, en tout cas. Ah, putain, mais cool. Qu'est-ce que vous avez de la chance. Franchement, ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je suis content pour vous, j'ai hâte que vous le mettiez. Mmh. Et de toute façon, on viendra vérifier tous les jours. Oui. On tapera ici à des heures imprévues. Ah, bien, cool. Pour être sûr que vous l'aviez, que vous l'ayez bien posé, quoi. Mais j'aime bien, c'est une bonne démarche. Ouais, t'as vu, j'ai texturé le visage. Ouais. T'as kiffé? Oui, c'est beau. Je trouve que, en fait, on est... Bon, dis-moi, la vache, c'est vrai que t'as vraiment un crâne en cœur, quoi. Ouais. Je vous laisse une carte. Je vous laisse ma carte. Merci. Ah, parfait. Trop bien. N'hésitez pas si vous voulez repasser. Merci beaucoup.
T'as une bouteille d'eau? Ouais, comme ça qui est tombée du ciel. Mec, c'est trop bien, je pensais que c'était la preuve que tu l'avais filé. Je crois pas, j'ai pas de preuve de ça. Alors là, on va chez quelqu'un. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est lui organiser son anniversaire. Donc c'est demain, son anniversaire. Et donc elle m'a appelé en me disant: Max Fly, est-ce que vous pouvez décorer mon appartement? Voilà, préparer l'anniversaire de ma soeur demain. Donc c'est sa petite soeur qui a 4 ans. Et on va lui préparer son anniversaire. Et ça, je trouve ça très très putain, beau. Putain, stylé. Ça a du sens. Derrière, on a des trucs pour elle. Si les anniversaires d'enfants, ça me connaît. On est sur du ballon, évidemment. Ballon. Ballon à outrance. Là, on a une pêche au canard qu'il faut construire nous-mêmes. Oh, canne à pêche et tout, faut les construire nous-mêmes. Ça, c'est très payant pour les enfants. Voilà, en vrai. Ça peut kiffer. Bon, on va être large là. Je trouve ça très drôle si on le prend. Ma femme ne peut pas du tout faire ça. Moi, je me déteste. C'est vrai? Je déteste. Tu détestes ma femme? Non. Ah non, j'adore ta femme. Enfin, j'adore ta femme. Bon. Ah non, j'adore ta femme. Non. Ouais, calme. Ah non, non, vraiment. Enfin, oui, oui. Mais tu... D'accord. Juste, ouais, tu passes en dessous du carton et... J'appuie sur deux. Ah non. Bon, voilà. On aurait pas pu faire à pied les deux étages. Hein. Ah non, non, mais c'est deux étages. Ah oui, c'est vrai, bien voilà. Anaël. Bonjour, Anaël. Attention à toi. Anaël, faut qu'on discute. Faut qu'on discute d'un truc très précis. Ok, j'ai faim. C'est des plats picards. Pas si mal. Sinon, j'ai fait acheter des pâtes à la prod. Tu vas vraiment faire des pâtes? Bah, pourquoi pas? Bah, moi, j'ai mon sandwich qui arrive, là. Ouais, mais moi, j'ai des pâtes. C'est mieux, les pâtes, mec. Bon, alors... Pardon, va... je suis pas là. C'est ici qu'on va décorer, je pense, le plus, parce que c'est quand même là... Que va y avoir la teuf pour ta sœur. Tout est modulable, on va pas foutre le zbeul. Ok, est-ce que tu veux qu'on fasse l'inventaire déjà de tout ce qu'on a? On peut faire l'inventaire, hein, vas-y, c'est parti. On voit. Bah, ça, pas de patrouille. Ça, c'est obligatoire. T'es sûr de pas te rater? Pas de patrouille, ça, il kiffe. Ça, toujours. Là, je pense que pour l'instant, elle est chez la... Elle doit être chez la babysitter ou quoi? Elle arrive à 14h, c'est ça? Je sais pas, soit vous voulez que je l'appelle pour qu'elle soit là... Ah, bah, l'appelle. En vrai, c'est comme vous voulez. Ah, c'est... Elle a un téléphone. Ah, ça, c'est décoration joli. Très, très jeune. Ça, mon gars. Bien sûr. Ça va kiffer, ça va kiffer. On a du ballon. Bougie, déco, bien sûr, salon, ça c'est pour elle, ouais, c'est sa bougie. Tout à fait. Bah voilà. Oui, oui, ouais. C'est ce que tu m'avais... Ok, oui, 4 ans. Des sifflets, la petite abeille en balle. Oh là là. C'est génial. Balle rebondissante Pokémon, ça, oh elles adorent. Là, ça, elles adorent. Nous, on est parti beaucoup sur les paillettes parce qu'on sait que c'est facile à nettoyer. Oui. Des ouais. Petits ballons. Ouais. Je suis en train de faire la piñata, je vais mettre une balle rebondissante. Hop. Et vous vous connaissez depuis longtemps avec ta sœur? 4 ans. Bah oui. C'est peu. Ce qui est assez logique. C'est logique en fait, quand j'y pense en fait. Quand on prend la big picture. Ouais. Quand tu prends un peu de recul sur les choses, ouais. Ouais, alors la piñata, je pense que c'est l'élément un peu central du truc. Sur le lustre, ça, ouais, tient, ça craint rien ça du tout. Rien du tout. Ça craint rien du tout. Ça craint rien du tout. Tu peux y aller tout seul là. Mais bien sûr, ça craint rien du tout. Ouais. Ça penche. Oui. Bah, regarde. Non, c'est super. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu tapes un peu sur le... Absolument. Il y a rien. Absolument. On va te laisser une carte de visite un moment. Oui. Si jamais t'as besoin. Non, mais je vous rappelle pour la salle de bain. Non. Et pour la plaque de cuisson. Non. Non, non, non. Non. Non, on est très sélectif sur les... Il faut des demandes qui nous vont. Si t'as besoin que tu nous prêtes de l'argent, par exemple. Je te fais un petit chèque. Si t'as PayPal, c'est parfait. Ah, j'ai PayPal. Mais on a tout ici. Oui. Putain, il a trouvé le bon pesto. Puis il tombe. Peut-être il est tombé. Tout tombe. Putain, mec, tu gères trop. C'est pile tout pile ce que je kiffe. J'ai théorycraft le truc. Attends, juste regardez la nourriture. Non, mais je vais vous expliquer. En fait, j'ai théorycraft, quand j'en prends 4, je peux mettre pile 2 sticks Roquefort. Attends, tu prends... Dans le sandwich. Mais arrête. J'en fous 2 dans le sandwich, ok? Ça me permet d'en avoir pile assez pour en avoir 1 ou 2 en apéro, parce que des fois il y en a 9, des fois il y en a 10. C'est là où c'est chiant. Et là, c'est juste le kiff après, c'est la porte ouverte au kiff. Ça, c'est ton alimentation, ça? Mon dieu. Ça, oh. Tu manges ça, là? C'est, écoute-moi bien, un des pires trucs que j'ai jamais mangé de ma vie entière. Et je te dis sincèrement, donne-moi ton feeling sincère. Anaël. Ça te plaît un peu? Ah. Ah. Ça te plaît un peu? Bon, allez. En fait, j'adore le Roquefort. Mais du Roquefort, du coup. Mais tout mélangé à l'intérieur, je comprends, ça fait un bail. Après, c'est... Allez. Mais ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Va faire tes vieilles pâtes. Quoi, pesto? Pesto. Allez. Normal, man. On va éviter de te mettre des paillettes partout, ça va être chiant, non? Mais par là. Au top. Pas mal, ça peut être cool si on en fout partout. Alors, je vais préparer les pochettes cadeaux dans lesquelles en fait elle va pouvoir trouver des cadeaux pour la pêche au canard. À tes souhaits. Ah non, mais là,
Franchement, en plus, on t'a fait pas que seulement la déco, puisque là, je te prépare la petite activité pêche au canard. Alors oui, certains diront, effectivement, il n'y a pas de trou, machin. C'est pas parce qu'il n'y a pas de canard que c'est pas une pêche au canard. Exactement. Hein, et il n'y a pas de trou pour la canne que c'est pas une canne non plus. Voilà. Enfin, je veux dire, tu vois. Et il n'y a pas de fil. Enfin, voilà, ça peut être des bouts de bois posés dans un coin. Et on voilà, imagine. Et après, faut faire son travail d'imagination. Ah, parce que d'accord, il faut absolument qu'il y ait des... Ok. Ça, c'est le genre de truc, moi, personnellement, qui m'énerve un peu. Ah, mais je suis d'accord. Je fous même des combos de trucs. Mais mets ça, tiens. Mets des trucs qu'il y a déjà dans la maison. Tu mets dedans. Est-ce que vous trouvez ces affaires à elle? Ah ouais, ça va kiffer. Il offre en cadeau. Non, ça, c'est vraiment à elle. Ça, ça sert à rien. Mais c'est bien, on lui laissera. Ça, c'est à elle. On prend ça. C'est un appareil photo qui a même plus de photos. Allez hop. On lui met un petit sandwich dans une pochette. On prend ça. Un petit sandwich dans une pochette. Non, j'ai faim. Mec, elle va kiffer. C'est une dinguerie, l'anniversaire. Elle va kiffer. La dyslexie est marrante. Quelle dyslexie? Oh là 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 là, mec, c'est pas vrai. Dis-moi que t'as fait exprès, je t'en supplie. Ben oui. Ah voilà, ça va, alors ok, ça va. Oui, c'était pour rigoler. C'est pas écrit joyeux. Mais si. Ah, le bébé cadom. Mais bien sûr que c'est écrit joyeux. Ah, le gros bébé cadom, c'est pas écrit joyeux. Arrête. Ah, le gros bébé. Ça fait rire, ça. Ouais. C'est marrant, ça. Joyeux anniversaire. Ça permet de faire des pâtes. Ça dérange pas. Mais en fait t'as pas du tout 4 ans. Ah ouais non. <rire> Ah mais en vrai t'avais 4 ans. Mais t'as quel âge? 24 ans. Va d'accord. Ah mais ça explique plein de trucs en fait dans les discussions même. On a oublié le 2 en fait. Attendez mais qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais en fait on a une société de service où on s'occupe de faire des services en général. En général peu importe ce que ça me tout. Et là elle nous a dit bah voilà demain c'est la nuit de ma soeur. Elle a 4 ans. Ouais. Si vous pouvez lui préparer son anniv, quoi, on a voulu mettre ça bien. Est-ce que c'est un très mauvais cadeau, ça te met un tout petit peu bien ou un tout mais petit peu mal? Je suis ravie. Ça, ça je fait suis plaisir. Tellement ravie, merci. Et c'est le meilleur anniversaire de ma vie. T'es pas encore au bout de tes surprises parce que tu as ici un demi-éclair sur lequel bah, toute la cire est en train de tomber. Regarde ça, c'est. Sachant qu'il a été croqué par ta soeur, il est périmé. Il est périmé, il est croqué. Les gars, je sais pas ce que j'ai cru. J'en peux plus, c'est arraché. Ah. Franchement, c'est très, très bien. Avina. Aviners. Aviners. Jouet. Anivers. C'est encore. Écoute, me vient de l'éclair. Il y a une flamme dans l'éclair. Tu fais exprès pour le VI? Oui, mais il bat pas sur la porte. J'ai honte, j'ai pas fait exprès. C'est du sincère. Et il l'a fait sincèrement. Attends, vraiment, sincèrement, finis le mot par nerfs. Mais mec, mec. Oui. Pourquoi? Mais attends, il manque rien en lettres. Ok, c'est pas dans le bon ordre, mais ne me dis pas qu'en plus j'ai oublié des lettres. Ah bah t'as oublié des lettres, complètement. Ni. Vert. Mais tu sais que vert. C'est pas AI, t'as conscience que dans Annie, vert sert, le vert c'est pas un AI. C'est pour le cerf le AI. Et c'est là que t'as le R, parce que là tu tiens re, mais tiens merde, dans l'autre sens. Merde. Et fait, oui, voilà. Comment t'as écrit merde juste pour nous dire? M-A-I-R-D-E. Je suis désolé. Incroyable. Elle s'appelle comment? Clara. 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 C'est à gauche. Oh Clara. Ah t'es là. Salut. Ça va? Ça sent bon. Ça sent bon. Ah ouais. Ça sent bon, ouais. Ça sent bon chez toi. Code pénal, ok, t'es en train d'étudier. Voilà. Non, j'étudie plus là. Ah. J'étudie plus. Là, ça y est. Clara, tu pars au Japon. Oui. Et tu as besoin de déménageur. Oui. Mais pourquoi tu pars au Japon? J'ai fait du droit, j'ai pas réussi. Ah, merde. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que t'as décidé de faire ce que t'aimes vraiment? Bah, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien le droit. Je fais de la propriété artistique. Ok. Donc, tout ce qui est droit d'auteur, etc. C'est trop cool. Mais là, je me suis dit, bah, let's go, je pars au Japon. C'est trop bien. Mais du coup, là, t'es à la bourre de fou, c'est lundi. Bah, non, j'ai dit, mes affaires, elles sont là. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai enlevés. Partout où je regarde, il y a des affaires. Il n'y a pas un endroit où je regarde où il n'y a pas des affaires. Mais t'es dans la merde. Mais non, mais ça, je vais me mettre dans ma valise et tout.
Mais ça, je les enlève pas aujourd'hui. Là, tu pars dans deux heures. Mais non, mais ça, je les enlève pas aujourd'hui. Ah bah oui, ah bon. C'est ça que je dois enlever aujourd'hui. Mais, excuse-moi, tu n'enlèves pas ça aujourd'hui. Tu vas l'enlever quand? C'est lundi que tu pars. Là, il faut que t'enlèves ça dès maintenant. Là. Non, mais j'ai un trouble de l'attention, vous savez, genre. Mais profite qu'on soit là. Alors regarde, qu'on soit là. Tu gardes tes outfits. Il y a pas de souci, t'as bien le droit et c'est tout à fait. Écoute bien, il faut absolument et très radicalement vite que tu vides cette armoire parce que tu pars vraiment dans 24 heures, d'accord? Mais vraiment? Parce que attends, tu pars lundi. Mais ok. Mais je pars lundi, mais je pars genre à 17h. Ah ouais, t'es large. Mais large, j'avais pas cette info, pardon. Ok, si t'avais dit 8h, j'avoue, mais là... Mais lundi 17h, là, pardon, mais en fait, on va pas rester, ça sert à rien, tu vas le faire tout seul, tu vas très bien le faire tout seul. Mais je dis je pars, mais vous savez, j'ai même pas encore mon appart. J'adore, tu pars vraiment en impro complet, c'est mortel. Et tu comptes dormir où en attendant? Ouais, je vais louer un truc, genre, je sais pas, il y a des hôtels, genre. Mais il y a forcément un truc caché derrière ce barreau raté. J'ai un plan quand je suis allée là-bas et tout, quand j'aime trop cuisiner et tout. Je me suis dit, ouais, la bouffe, machin, je veux ouvrir un bar tunisien. J'ai l'impression pour l'instant que t'as pris des saladiers avec des mots dedans et que tu les as tirés comme ça au hasard. J'ai le Japon, ouvrir un bar tunisien. Let's go! Genre, j'ai vu dans la bouffe, genre, c'était dans plein de petits bouibouis, machin, il y avait trop des trucs pareils. Genre, ils ont un truc, le chichito, c'est une espèce de petit poivron là, et on dirait trop des piments qu'on mange chez les Tunisiens et tout, là, grillés avec l'huile d'olive. Je me suis dit, vas-y, ça peut leur plaire. C'est extrêmement lourd. Non, on met des fringues là-dedans du coup pour comprendre. Bah non, mais non, non, non. Remplissons-le à ras bord de l'île s'il vous plaît. Et après, on va faire un challenge, on va le soulever. Mais non, mais les fringues, elles vont dans ma valtoche, elles partent avec moi. Valtoche. Non, le pire, c'est vraiment ce placard. Non, s'il vous plaît, il y a encore des trucs là. Mais non, non, mais ça, c'est des trucs que je vais faire. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que t'es vachement en retard. Vive sous l'équateur du Brésil. À l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. Maman! Maman! Pourquoi? Si ça c'est pas un service qu'on a rendu à l'humanité là. Ouais. Vous voulez de l'eau? Ouais. Max, il voulait un petit café en plus. Rue déserte! Dernière cigarette, plus rien ne bouge. Je regarde la mer qui se balance. Je veux un disque de funky music, faut que ça danse. Attendez, on va se mettre là, s'il vous plaît, et on va faire un avant-après d'appart pour voir à quel point on l'a vidé. Mais t'as fait le avant? Non, mais on avait un plan de quand on arrivait quand même. C'est ça qui se passe là maintenant, la prochaine séquence c'est un avant-après sur le avant. Faites appel à Maxfly Service. Regardez cet appartement, il vous semble vide. Pourtant, quand on est arrivé, il était encombré. Et là, regardez, on circule librement. Maxfly! Hop là! Ouais, qualité française. Bon, je peux te dire là ce qu'on doit faire. On a une dame, en fait, elle sort du taf, et très vite en sortant du taf, elle doit aller dans un magasin. Mais le magasin, il va fermer très bientôt. Donc elle n'a pas le temps de promener ses deux poneys. Elle ne peut promener que un poney. Donc elle nous demande d'aller dans le 77 pour voir si on peut promener son poney. On a de quoi s'équiper, mais vraiment, pour le coup, il faut qu'on aille sortir son poney parce qu'elle a emmerdé de fou. Elle a écrit « J'ai besoin d'aide pour promener mon poney ». T'es sûr que c'est vrai? Parce que ça peut être une blague. Exactement, cette histoire que je t'ai racontée est vraie. Elle est à la bourre et tout, donc faut qu'on aille promener son poney. Hello. Sorry. How are you? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you guys. Have a great day. Thank you so much. Bye bye. Thank you to come here in France. Allez, thank you so bon, much. Allez, on se casse. Allez, on se barre. Service jusqu'au bout. Ce monsieur n'arrive pas à payer son parking. On est parti. Oh, ok, he's not working. So. So you when you go out, gagner du temps, payer en sortie. When you go out, earn some time, pay at the exit. At the exit. When you go out, you will arrive at the barrier. You can do the. On va le mimer. Okay. Imagine just. I am a barrier. He is the barrier. I am a barrier. Okay. And then you put up on the machine. Payment. Okay. You can go. Very much. No problem. Okay. See you. Okay. Take back the ticket. And let's go. Les amis, on est en destination de la dernière destination.
il n'y a plus rien. Ouais, en termes de plus d'énergie, il n'y a plus de. Mais ce tournage, écoute-moi bien, McFly, je te le dis comme je le pense, mais alors comme je le pense, il me remplit de joie. C'est trop bien. Il me fait du bien. Bah, comme on s'est dit, la rencontre avec les gens, la simplicité, c'est un bonheur. C'est trop bien, c'est et trop le café, bien. Surtout, le café les gratuit. Café à chaque fois, ça mais ça, c'est génial. Mais vraiment, c'est un délire, comme les gens sont cool et fascinants, et, oui. Et à quel point nous, on est vraiment inutiles à chaque fois quand on veut les aider. Ouais, totalement. Mais bon, ça, on fait une vidéo, quoi. À la base, c'est pas grave. Ça. C'est très beau, c'est génial, c'est vraiment super beau. Je préfère me couper une couille que la pied là, mais c'est vraiment super joli de... Mais c'est un peu américain, t'as vu? C'est on dirait les quartiers résidentiels américains. C'est super joli, vraiment. J'habiterai jamais ici. Explosez-moi la tête. Coupez-moi la tête avec une scie sauteuse et tirez une balle dedans. Et que ce soit un peu lent. Une mort lente et douloureuse. Lente et douloureuse. Ah oui, oui, oui. Et peut-être que j'habiterai là éventuellement, mais c'est très très joli en tout cas. C'est un endroit de rêve pour habiter. Globalement, il n'y a pas mieux. Je suis vraiment choqué de à quel point c'est joli. Je voudrais qu'on prenne chacune de mes articulations et qu'on les brise en mille morceaux. Voilà. Sans aucune anesthésie. Si jamais je dois habiter ici. Si je dois habiter ici, bien entendu. On est équipé là. Il faut mettre les bottes à cheval. C'est un poney, ma frère. C'est pas du tout des bottes, c'est juste très élégant. Oh, attention, ça peut être un petit style. Hein. Je préfère défiler Jacques Mus comme ça. Oh, je peux pas faire ça. Mais... Je sais pas mettre des chaussures premier degré. Je peux pas du tout fermer, c'est impossible. Non, mais en plus, toi, t'as des mollets énormes. Ah oui. Ça, les carottes, c'est pour le poney. C'est pour le poney, mais je vais quand même lui en mettre une au bout de la canne à pêche. C'est comme ça qu'on les conduit. Oh là. On fait comme on peut. Hein. Hop. Quoi. On va faire quoi? Oh là, ma fille serait tellement heureuse d'être là. Ouais, c'est l'enfer. J'espère que le poney, c'est pas trop plein. Tu vas bien? Bonjour, enchanté. Salut toi. Ça, c'est un poney, c'est pas ça du tout un poney. Ça, c'est un poney. Ça, voilà. C'est un poney, ça? Ouais. Mais il est gigantesque. Oui, c'est un grand... C'est un, comment on appelle ça? C'est un poney... Un double poney, voilà. Finalement, un cheval, quoi. Bah... Oh, coucou, toi. Non, ça, c'est un cheval. Ça, c'est un double poney. Oh, 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 j'ai ça pour le faire avancer. Je l'ai fait très calme. Bah quoi, c'est pas... En vrai, c'est parfait. Je peux lui passer, non, tu veux que je lui fasse taper un croc? Fais gaffe parce qu'il va plus te lâcher si tu veux. Ouais. Attends, garde-le à mon avis, garde-le, ça. J'en ai trois. J'en ai exactement trois. Mais il kiffe les carottes de fou. Moi aussi, j'en ai là. Ouais, fais gaffe, il est au courant, il le sait. Alors, attends, mais depuis le début, tu me kiffes pas en fait, tu voulais juste la carotte. Mais bien sûr, mec. Et c'est pareil pour tout le monde. Hein. Et c'est quoi son tempérament? Il est très joueur. Ouais, super, très ok. Cool. On nomme ça. Bah, vous allez détendre sur lui en fait. Super. Ouais, c'est mais génial. Toi, tu dois faire un truc, c'est ça? C'est pour ça que tu veux qu'on le balade? En gros, ouais, moi j'étais pressée et là il va faire nuit. Donc en fait, il fait une course avant et vu que j'en avais deux à monter, c'est pas possible de faire l'intro parce que ça m'arrange pas de les monter la nuit. Ok, ah, d'accord. Ouais, donc... la lumière du jour. Mais il faut pas le monter quand même là. Si vous voulez monter, vous pouvez monter. Non, mais moi je peux pas, je suis trop lourd. Max, tu peux monter. Max, monte. Moi je peux pas, je suis trop lourd. Et McFly, tu le tiens. Moi je le tiens. Tu te fous de ma gueule, je vais vraiment devoir monter. Mec, tu montes. Ouais, j'ai un casque pour toi. Allez, let's go. Oh, il était pas au courant, j'adore. Non, mais vous devez pas juste le promener? Bah, c'est une forme de promenade. Du coup, je vais te montrer comment on fait. Genre, je suis ton exemple. Et il est très gentil. Et McFly, il est là pour t'assister. Moi, je sais gérer ça. Ok, cool. Il y a une forme de douceur ferme. McFly, tu sais faire. Je sais, il y a une douceur ferme à faire avec les poneys. Framboisier, excuse-moi, non mais je comprends. Rien à foutre. Rien, non mais tu vois, il veut. Pardon, Vanilla, Sky, allez viens. Viens là. Mais non mais là, tu sais juste de me manger, c'est tout. C'est fou par contre, il est hilarant ce poney. Ce poney, hilarant. Mais en plus, tu sais que ma copine m'a dit, mais tu sais que les poneys ils sont joueurs et tout machin. Ah oui, mais là je peux rien faire juste. C'est pas du tout comme ça que ça se passe d'habitude, je tiens à le dire. Donc là, je fais quoi? Je mets le pied. Ouais. Je tiens là. Ouais. Et t'y vas. C'est bon ça? Hop là! Il faut que je mette le pied dans l'autre truc! Ouais, et là tu tiens! Allez mon gars! Allez mon frérot! Pleine puissance! Vers l'infini et au-delà! Allez viens là! Tu vois la carotte ça sert! Même pas! C'est une dinguerie! Allez vas-y! Hop! Le Mathieu petit coup de pied! Allez Mathieu Chédid! Hop là! Mogwai! Et hop! En avant toute! Et attention! Top, let's go! Hop! Hop! Allez! Oh! Allez, Béatrice! Il se passe un truc! Oh là là là! Mais il veut juste manger son cordon! Il me mange les pieds! Littéralement, il me mange les pieds! Allez, Madrigal, on y va! Allez, viens! Mais là, allez. Tu tires la corde là! Allez, allez! Si on regarde pas, il va avancer! Allez! Voilà. Oh bordel! Tu fais pas le con, Glubux, hein! Je suis simplement ton esclave! Mec, ça marche de fou! Oui! Mec, c'est incroyable! Ça marche bien là! Ah oh, non! Merde, non, ça marche! Mec, la carotte, ça marche! C'est un bonheur, la carotte fait tout. Attends, enfin, je peux zigzaguer?
Je peux zigzaguer aisément, regarde. Bien, mon chien. Bah non, du coup, chat. Si, Toujours pas, mon poney. Pas le bon animal. Mon amoureux. Je te donne une carotte après, je te le jure, je te le jure. Tiens. Oh là, sa mère, il l'a vu. Tu l'as vu, Vilebrequin. Allez. Oh oui, c'est bon ça. Oh là 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 là. Oh, il a bien graillé. Ça fait du bien. Laisse-en pour les autres, non? C'est pas que pour toi, carotte, hein. Tiens, c'est vrai, ça. Nous aussi, hein. Allez, va. Allez, viens. Viens, Sébastric, on y va. Allez, allez. Allez, voilà, 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 voilà. Vas-y, c'est parti, là. Voilà, je te l'ai démarré, là. Mais je te l'ai démarré, oh là, c'est hilarant. j'ai calé. Mec, c'est dingue. J'ai calé. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Non, mais c'est dingue. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont pas les couilles. Mais il n'en a rien à foutre. Hop. Hop, allez, go. Allez, go. Regarde, il y a une carotte. Tu la vois, là, regarde, là. Là, devant, là. Là, là, mais là, elle était con, quoi. Là, là, vas-y. Oui, il y a eu un petit mouvement d'avant. Là, là, là. Même ça, il s'en fout. Allez, viens. Allez, hop. Allez, viens. Allez, on fait un grand tour. Allez. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. Au moins pour rendre service. Même si le passage qu'on a vu avant était dingue. Abominable. Eh bien, viens. Allez. Tu manges du caca, merde. Après. C'est juste de la merde, mais ça. Mais il préfère manger du caca. C'est de la merde, Fufufule. Il préfère manger du caca que me suivre, sans déconner. Allez, oui. Taxidermiste, on y va. Tu l'as chauffé, tu l'achèves en fait, c'est ta faute. Tiens. Tu sais très bien ce que tu fais. Je suis contente, c'est bien. Ça, c'est du service validé. Merci les gars. Service validé ou pas? Yes. Let's go. J'ai vu la mort. Ah, c'est juste pas ou quoi? J'ai vu la mort, mais de fou. Parce qu'en fait, si t'es pas bien là comme ça, tes pieds ils se baladent de fou dans le truc. J'ai une question, hein. Pardon si elle est complètement folle. Hein. Comment on descend? T'enlèves tes pieds des étriers. Ah mais là, du coup, il a décidé d'avancer à un moment. T'es vraiment un gros con, je suis sûr que tu comprends le français. Bravo. Allez, bravo, c'est parti. Frérot. Tiens, y a pas d'arnaque. Alors là, t'es con là. Regarde, y en a un bout là. Celui-là, il est beaucoup trop petit pour que tu me mordes pas. Hop, comme ça, je suis sûr que tu mords pas. Attends, il va s'étouffer, Max. Ah ouais, il le mange trop d'un coup. Mais il est con, ce cheval. Il mange, il s'étouffe. Comment ça, il est con? Non. Mec. Ah, tu mets pas ça dans le montage. J'ai pas insulté les animaux. Ça, les cons, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a par terre, hein, c'est ta fin. Mais c'est pas ton chien. De lui, le pauvre. Mais il va me mordre, il est trop petit. Il est idiot. Mais enfin. Mec, j'ai une coupe bien là. Franchement, oh, c'est okay. Top. T'aimes bien? Franchement. Oh, ça te va, ça te met en valeur, en c'est fait. Vrai. C'est-à-dire que ça sublime ton visage. Bon, ben je vais finir la vidéo comme ça alors. On va pas chercher à se sublimer si je suis déjà au max. Putain. Ça fait plaisir en tout cas que je sois BG pour la fin de la vidéo. Les amis, c'est dès à présent la fin de la vidéo. On va rentrer à la maison. Mais frère, ça fait rire qu'il mange pas. Excuse-moi. Il veut manger la main. Pardon. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des services, appelez-moi. Je vous aide. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, sur les 4 clients, les 4 ont été extrêmement satisfaits. Régalé. 5 étoiles Google à chaque fois. Merci à toi, McFly, d'être venu. C'est un petit plaisir, ce petit moment tous les deux, en vrai. Mec, j'ai kiffé de fou, c'est mec. C'est trop bien. Et ce que je kiffe de fou, c'est que tu vas être en retard, mais... Ah, là, c'est et qu'on a 1h30 de route, mais... Il est possible que ma meuf m'en veut énormément, là. Merci, Ultra Premium Direct, de m'avoir épaulé sur cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vais manger des croquettes ce soir. Ça, c'est un vrai outro, ça. Ouais. Suivez-moi sur Instagram, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à dans 2-3 ans pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ah, ça tue. Gros bisous tout le monde. Merci de nous avoir accueillis sur cette chaîne. Je vous mets un petit peu d'humanité. C'était un bonheur de partager ça avec les gens, de partager l'échange. L'échange est gratuit. Vous pouvez aussi le faire, là on le fait en vidéo, mais allez voir les gens, échanger gratuitement et simplement comme ça, sans prise de tête. Parlez normalement et soyez vous-même et il y a des petites choses.